Bonjour tout le monde, ici Gizmo64, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potos, petite vidéo. Je suis Gizmo64, je serai votre hôte durant cette vidéo magnifique sur Elder Scrolls Online où je vous donnerai mon avis sur la saison du dragon. Ayant acheté le nord puis le sud d'Elsewhere, je ne prendrai pas en compte les donjons. Parce que les donjons, ça ne vaut pas la peine, je trouve. En tout cas, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Les seuls donjons que j'ai achetés, c'est Wolf Hunter. Et oui, j'ai acheté mon contenu hier. Pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai un peu mon cadeau en avance. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 29 ans. Et vu qu'on vous aurait vu jouer au restaurant pour souper, je me disais il risque d'être un peu tard pour avoir la. Ma chaîne 4 risque d'être un peu tard. Puis en plus mes parents ça va leur tenter de me donner mon cadeau en avance. Voilà. J'ai pu m'acheter le nord et le sud d'Elsewhere. Je me suis acheté un donjon, Wolf Hunter. Je l'avais déjà, pour ceux qui le savent, fait qu'il vient dans le chapitre. Et du coup, ça c'est le sud. Ben non, je rigole, c'est ça, c'est tout ça le sud. Le sud d'Elsewhere, c'est tout ça. Ah, vous avez eu peur, hein? Ça c'est le sud. Le seul truc qui me dérange un peu, regardez, le sud il est là, le nord il est là, mais il y a quoi au milieu? Je sais pas, il aurait pu les mettre collés, je sais pas, me semble. Ça aurait été, je sais pas, un peu moins compliqué, me semble, de les mettre collés. Et sachant que le nord est un petit peu plus grand que le sud. Mais le sud est quand même intéressant aussi, on va pas se le cacher. Et du coup, j'étais agréablement surpris de voir combien qu'il y a de missions. Vous voyez, les ondes d'histoire 2 sur 6 pour le sud. Ça dit que le sud, non seulement il est pas grand, mais il est pas très long non plus. Il est pas très long à finir non plus. Quand on voit certaines maps, qu'il y a 24 missions à faire. Lol. Et le nord d'Elsewhere, lui, 8 sur 8 quand même, divisé en deux quand même. C'est pas très nombreux, mais quand même, j'ai quand même aimé ça. L'histoire au moins est là. Les mécaniques avec les dragons est bien pensée. Un peu trop bien pensée, je trouve. Il y a des mécaniques assez sympathiques. Un peu méthodique. C'est moins dur, il y a des mécaniques, c'est moins dur parce que. Mais ça vous va ils se retrouvent dans le donjon où ils t'attirent dans une place, whenever, puis la place où tu attires permet, dans le fond, débuter. Tu fais ça trois fois, c'est méthodique. Personnellement, je m'attendais à un peu plus de challenge. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas trop. Regardez ce que nous avons trouvé, marcheuse. Un dragon disparu? Oui. Au sud des hauteurs noires. Ce doit être la seule chose, Romain. Ah, on va aller tuer un dragon. Fait que vous allez voir un peu qu'est-ce que je veux dire par méthodique. Et je vous accompagne. Personnellement, la saison des dragons, je trouve ça vraiment intéressant, mais. Moi j'ai dit ça de même. Pourquoi nous mettre des donjons dans la saison du dragon? Je veux dire, la saison du dragon, vous enlevez les donjons. Vous appelez les donjons d'une autre manière et non la saison du dragon. Et whenever, ça fait autant la job, je trouve, personnellement. En tout cas, personnellement, j'ai pas senti le besoin d'avoir les donjons. Sachant qu'il y a des problèmes au niveau des chargements. Ça, c'est ce que je m'y suis procuré. Les photos, je vais vous le montrer. Ça, c'est une tenue. Je me suis procuré la tenue du guerrier nordique. C'est vraiment stylé. Coupe de cheveux aussi.
Vous voyez, ça c'est Dragon Roll, c'est le dernier chapitre. Vous voyez, ça c'est le sud. Ça c'est le sud d'Elsewhere. Et celui-ci, je me suis procuré. Et j'ai été, je me suis procuré aussi Wolf Hunter, qui est juste en bas. Wolf Hunter, qui est vraiment un donjon quand même pas pire, mais. Les joueurs. Moi, c'est mon problème dans le jeu, c'est que quand tu cherches un donjon, t'as des joueurs qui sont avec toi. Les joueurs, ils se poussent. Rendus au début du jeu, même pas, vu qu'on a de la difficulté, ils se poussent. Ça, c'est ce que je déteste un peu. C'est des joueurs vraiment que. Ça, c'est le type de joueur que je déteste. Ça, c'est. Tu joues avec eux dans un jeu de Call of Duty Modern Warfare. Ils se font tuer, puis toi avec, t'as de la misère en découte. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils se poussent, ils te laissent là, ils te laissent tout seul, là, ils te laissent en plan là. Ça, c'est vraiment des joueurs, vraiment le type de joueur pour moi. Ces joueurs-là, pour moi, devraient, sérieux, devraient même pas y en avoir de joueurs en ligne. Je sais pas, moi. Les joueurs individuels, j'ai horreur de ça. Mais bon, et les potos, je vous donne aussi une petite avis, une petite info concernant le prochain chapitre de Elder Scrolls Online. Si vous voulez tout savoir sur le prochain DLC, bienvenue à vous. Sinon, si vous voulez rien savoir, désolé, quittez cette vidéo si vous voulez pas être spoilé. Mais bon, ça ici, la map de Bord de Ciel, elle va se dérouler ici. Vous allez avoir deux zones séparées en deux. Le nord, non pas le nord évidemment. L'ouest, l'est et l'ouest. Vous allez avoir le ici, exemple de démarcation peut-être ici. Vous allez avoir l'ouest d'un côté qui va être offert avec le chapitre qui sort le 2 juin sur console évidemment. Nous autres gamers console, on a l'habitude. Et vous allez avoir évidemment l'Est venant dans un pack téléchargeable qui sera téléchargeable dans la boutique à couronne. Dans la boutique à couronne, sachant que l'Est et l'Ouest seront deux suites se déroulant dans l'univers de Bord de Ciel. Et non seulement ça va se dérouler dans Bord de Ciel, mais vous allez voir aussi l'Iris Titan. Oui, l'Iris Titan, même ceux qui l'ont sacrifié vont pouvoir revoir l'Iris Titan. Je sais pas trop comment ça marche, mais bon, moi ça me sort pas trop du truc. Tant que ça me sort pas trop du truc, moi c'est correct. Et également les poteaux, vous allez avoir également la possibilité d'avoir l'ultimate Seigneur Vampire, la forme ultimate du Seigneur Vampire, c'est-à-dire le nouveau ultimate, c'est-à-dire la forme du Seigneur Vampire. Si moi je suis déjà un vampire, je vais pouvoir avoir dans ma boîte d'ultimate la forme de Seigneur Vampire. Ça j'ai hâte, j'ai très très hâte personnellement. J'aime bien le Seigneur Vampire, moi je suis dans Skyrim. Et Skyrim qui devrait revenir bientôt sur ma chaîne, les potos. Bientôt sur ma chaîne, je décide de rejouer à Skyrim très prochainement. Et voilà les potos, c'était tout ce que je pouvais vous dire. En même temps, il va y avoir un sous-sol qui va s'appeler Griffmore. Et à date, c'est toutes les infos que j'ai retenu. Évidemment, ça va être comme cette saison-ci, la saison du dragon. Ça va être il va y avoir deux séries de donjons et deux aventures, dont un chapitre et un DLC d'aventure. À date, les potos, c'est tout ce que je sais. Mais personnellement, je trouve que ça doit être vraiment intéressant, je trouve, à date. Personnellement, j'aime bien Skyrim. Et quand j'ai vu le trailer reveal, j'étais... Da 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 da
J'ai arrêté de jouer sur console pour y jouer sur PC. Finalement, il va y rejouer sur console. 4 mois plus tard, il va y jouer sur PC. Moi, en tout cas, les potos, je préfère Skyrim sur console. C'est que pour moi, c'est un jeu qui était conçu pour la console. C'est con à dire, mais quand tu vois le jeu, la manière que c'est pensé puis tout, c'est pas conçu pour le PC, c'est conçu pour la console. De nuit, c'est quoi ça? Ah, tu bois de nuit brute. Ok, tu bois de nuit. Bois de jour, bois de nuit, bois de chauffage. Lol. Lol. Après la tourne de femme de jour, femme de nuit, c'est bois de nuit, bois de jour, bois de nuit, bois de chauffage. Ah ouais, wow, j'ai tué les chocolates aujourd'hui. Évidemment, les Québécois, ceux qui sont Québécois, ils comprendront la référence. Évidemment, c'est Claude Dubois, un chanteur. Un chanteur qui chantait une chanson. Femme de jour, femme de nuit. Je sais pas si c'est des Français qui connaissent aussi, je suis pas sûr, mais bon. Mais bon, des fois, il y a des chanteurs qu'il faut pas trop essayer de connaître. Lol. Lol. Oh, un dragon, man. Un dragon qui fait des cris draconiques. Ouzvuzda! Il a fait de la Ouzvuzda! Il l'a fait aussi, il a fait de la Ouzvuzda! Da da da! Ils ont pas mis la musique, ça aurait été culte, man. Je sais pas, la prochaine fois que vous faites des dragons qui fait de Ouzvuzda, mettez la musique. Ça aurait été épique, là. Ah, ça aurait été malade, là. Ça aurait été fou, là. Mais bon, écoutez pas mes fantasmes, c'est ça. Écoutez pas mes fantasmes. Ah, écoutez pas mes conneries aujourd'hui. Tweet, tweet, tweet. Oh, il est nice la panthère. Tu t'as eu comment, poteau? Ah, je pense que je peux savoir. Hein. Qu'est-ce que je vais dire à mon oncle? Son sucre lune, sa garde. Et même mon chat. J'ai tout cramé. Tu diras que t'as tout fait cramer, l'autre qui se plaint. J'ai pas que je vais dire à mon oncle, oui, il disait que t'as tout dit la vérité, poteau, gars, l'autre. Là, ils sont drôles, les cagites dans le jeu. Les cagites, pour moi, sont une source d'humour inépuisable, c'est vraiment. Vraiment, c'est dur, c'est. Nous y voici, épuiser, le temple du souffle de Kenarty où résident les vents chauds et les cloches accueillantes. Regardez ma nouvelle tenue de guerrière nordique. Vous nous cachez peut-être quelque chose. Hein. Ah oui, eh bien, je ne suis peut-être pas parti de chez moi dans des conditions idéales. Mais voilà ma tenue. Pardon, Zadji, je ne voulais pas être indiscrète. Coupe de cheveux. Vous voulez attendre à l'extérieur? Je vous la montrer. Charmante Aelia, vos paroles sont une caresse apaisante. Avec vous à mes côtés, je pourrais accomplir n'importe quoi. Avançons. Et on va mettre la tenue de Tony Manny Marco. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, j'aime les femmes en armure. Et alors? Voilà, c'est dit, t'as tenté de le dire, j'adore les femmes en armure. Non. Merde, cela faisait on pourrait, j'écoutais Xena quand j'étais petit. Sortez! Quittez ce temple! Votre présence même est un affront. On pourrait aussi que j'aime Skyrim. Je vous en prie, c'est important. Nous essayons de sauver Elsewhere. Alors je vais parler à vos compagnons. Mais vous... Dehors. Je vous attends dehors. On va parler à un chat.
Zadji affirme que vous cherchez. C'est une. Ah bon, on va parler de ça. C'est un lieu. Nous prions. Je ne suis. C'est un lieu de. On va en parler des choses. Ok, ouais, on parle des choses, c'est bien. C'est bien, ouais. Quand tu as fait de bon dans Elder Scrolls Online, swear, j'ai parlé à un chat. J'ai parlé à un chat. On pourrait croire qu'une vie entière consacrée au divin aurait rendu ma mère un peu plus magnanime. Alors, qu'a-t-elle dit? Je n'entendais pas bien votre conversation depuis... Voler? C'est sa mère en plus. La crique lunaire. Je suis... Lol. C'est sa mère en plus. Crème. Le gars, sa mère, c'est un chat. Un félin à quatre pattes. Ok. Du coup, il ressemble plus à son père qu'à sa mère. Ah, sérieux. Je pense que je préfère pas trop m'interroger sur le lore des cagettes, les poteaux. Ah, des fois, c'est mieux pas trop s'interroger. Ya ya ya, yo yo yo. Entrer dans l'arche lunaire. Génial. Je sais pas c'est quoi une arche lunaire. Oh! Sachez aussi qu'ils vont refaire, ils vont faire un patch. Ça, j'ai oublié de mentionner, quand même important. Ils vont faire un patch dans Elder Scrolls Online qui va alléger un peu le pot du jeu, passant de 109 go à seulement 39 go. Un patch qui va nécessiter la réinstallation complète du jeu. Le retéléchargement du jeu, moi personnellement, je me dis pourquoi pas, ça peut alléger le jeu. Parce qu'on va pas se le cacher, le jeu est quand même très 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 lourd. Très gros surtout. Moi, je suis dessus depuis sa sortie sur PC. Et depuis la sortie de Elder Scrolls Online sur PC.
Je suis l'un des premiers à avoir vu le jeu évoluer, vraiment, et j'ai vraiment été content de voir cette évolution. Vraiment, pour moi, pour moi, c'est comme un, ça a été comme un privilège. En tout cas, j'étais vraiment content. Venez, j'ai exploré tous les alentours quand j'étais jeune. Elder Scrolls Online est un jeu avec un lore, un univers riche. Riche et coloré. Ceux qui disent que l'univers de The Scrolls Online est sombre, c'est parce qu'ils voient juste le côté négatif de l'univers. La plupart des cagistes seraient meilleurs en carpette. Et je le fourre dans un baril. Tu fourras personne dans un baril. Oh.
elfes aussi. Ça doit être là que Bazaar se cache. Venez, marcheuse. Cette échelle doit être là, quelque part. Les PNJ sont vraiment faciles à tuer. J'aimerais bien que ces déchets enfumés se taisent pour une fois. Et si on allait se baigner? J'aimerais bien attraper des gelées pour le dîner. J'en trouve rarement hors du marais noir. Pas facile de tuer. Une fois j'avais fait équipe, une fois je jouais avec un. Avec un ancien photo. Il avait du mal à tuer un PNJ, puis il fallait qu'il voulait qu'on se mette deux sur un PNJ. C'était tellement que. Mais c'est la première fois que je voyais ça, pourtant c'est facile, mais bon. Je m'ennuie. Oh, je suis parti pour. Mais bon. Ben bon les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi personnellement j'ai apprécié ce voyage au cœur de Elsewhere, le nord et le sud. Et sachant que Bordes de Ciel sera pareil, j'ai vraiment hâte d'y jouer, surtout qu'on va pouvoir jouer avec un seigneur vampire. Et personnellement je trouve ça juste intéressant. Et je loue cette prise de risque personnellement. Et le jeu il sera refait dans son il sera un patch va permettre de re-télécharger le jeu, qui cette fois-ci le jeu il va peser 409 go, il va peser 39 go, un truc comme ça environ. Seulement je me dis pourquoi pas, ça peut alléger le jeu et modifier un peu l'expérience et le gameplay, ça serait juste magnifique. Personnellement les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était votre autre Gizmo64 et j'espère que voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous et que je vous avez un avis un peu plus concis sur la saison du dragon. Moi vraiment j'ai bien aimé la saison du dragon personnellement. Évidemment j'aime tout ce qui est l'univers d'Elder Scrolls et compagnie. Et sur ça les potos, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Gizmo64, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si elle vous plaît. Et les petites notifications si vous voulez manquer de mes vidéos. Allez, ciao. Tout ce sel dans l'air. Et bon début de week-end. Allez, ciao.